Ça ne s'en va pas, c'est du blanco. Donc en fait, j'ai appuyé dessus pour faire sortir. Là, on voit, ça s'est pété. Ça a giclé, mais pas uniquement sur mes mains. Ça a giclé en plein dans ma gueule et ça ne s'en va pas. Donc là, je suis humilié. Je viens d'être humilié par un blanco. J'ai déjà savonné. Là, j'ai utilisé du savon. Et ça ne s'en va pas de la peau. C'est une catastrophe totale. Je me mets là, j'en ai plein la gueule. Je ne peux pas l'enlever. Ça, j'ai frotté, ça reste comme ça. Et comment je vais faire, moi? Je peux pas vivre comme ça. Demain, je suis censé aller à l'exposition accueillir des touristes. C'est une catastrophe. Donc, j'ai essayé du 6 et après, j'ai des produits plus violents. Tant pis, même si ma peau s'en va, au moins le blanc partira. Donc, bon, ça fera une tache rouge. Je préfère rouge que blanc, à la limite. C'est une catastrophe. Voilà aussi des dégâts que j'ai pas montrés, c'est les lunettes sont humiliées. En même temps, on peut imaginer qu'elles ont protégé mes yeux, parce que vu la surprise, je les ai fermées un peu tard. Et on peut voir que, voilà, il y en a déjà sur le cil. Et là, c'est vraiment pas loin. Donc je conseille à tout le monde de porter des lunettes. Ça évite de perdre la vue, j'aurais peut-être pu vraiment perdre la vue. Mon Dieu. Oui, on peut dire ouf, parce que regardez, c'est redevenu à la normale, hein. C'est peut-être rouge, mais c'est à la normale. Donc, ce qui a fonctionné, si vous voulez, bon, le CIF, hein, permet d'enlever, mais finalement, le mieux, selon les endroits, c'est le White Spirit, hein. Donc, ça vraiment, là, sur les lunettes, regardez, ça évite de frotter. Il suffit de d'imbiber et puis ça s'en va. Hein. Sur la gueule aussi, ça marche. Mais bon, au niveau de l'œil, par exemple, on n'a peut-être pas envie de se foutre de White Spirit dans l'œil. Donc j'ai préféré mettre un peu de CIF dans mon œil. Voilà, donc finalement, ça s'arrange bien. Voilà. Je tenais à préciser quand même que cette giclure de Blanco, à mon avis, c'était une sorte de manœuvre terroriste, si vous voulez, de mettre fin à ma vue. Parce que on a vu clairement que c'était en direction de mes yeux. Et par exemple, la chemise que je portais à l'instant du crime, si vous voulez, aucune, rien, pas la moindre, même pas un micro de début de tache, de rien, que dalle. Pourtant, si vous voulez, une chemise, ça se porte à peu près à ce niveau-là de l'individu. Et ça giclait comme si de bas en haut, hein, de la main, j'appuyais vers le visage de l'individu. Je ne sais pas du coup qui peut avoir commandité cela, qui pourrait profiter ce crime. Bon, c'est le seul moyen pour retrouver les acteurs de ce terrible attentat. Donc, ne sachant pas, je pense que l'enquête va s'arrêter là, malheureusement. J'éviterai l'usage de tout engin de type mon blanco, bien évidemment, mais les stylos, il y a de l'encre. Ça peut facilement atteindre le même objectif. Donc, je me vois dans l'obligation d'utiliser soit tout ce qui est numérique, un clavier, stylet, ou un crayon. Voilà. C'est-à-dire, en même temps, c'est intéressant, c'est un retour soit au passé, hein, les paysans, hein, ces gens-là vivent avec des crayons, ou le futur, le stylet, le stylet. Voilà, je voulais quand même rendre compte de ce fait, hein, pas de tâches vestimentaires, voilà. Vous vous souvenez donc hier de l'affaire Blanco et aujourd'hui je viens de découvrir des traces qui permettent d'évaluer la giclure, la violence de cette giclure. Donc elle est partie à peu près d'ici, j'avais le truc dans la main, flaken. Et là voilà, j'ai trouvé des petites gouttes là, tac tac tac, il y en a ici. Là on voit la direction, du coup qu'est-ce qu'on fait? On tourne la tête. Et là on va un peu plus loin et on découvre que le meuble a été recouvert. Flaken, il y en a eu partout, tac, 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 tac,
tic tac tac tac. C'est fou quand même. J'étais là, flac dans le visage et flac. C'est incroyable. Ah, ce qui s'est passé était vraiment, il y en a même en dessous. Hein. Ce qui s'est passé était vraiment était quelque chose d'incroyable. Que ça parte, il y a des chances que ça parte facilement. Ouais, grâce à mon expérience en nettoyage de Blanco. Voilà. C'était la fin de l'histoire du Blanco. La fin de l'histoire. C'était la fin de l'histoire du Blanco.